Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre à travers cette édition du journal sur la télévision nationale. L'actualité reste dominée par la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo avec le message du chef de l'État adressé à la nation pour la circonstance, une fête qui intervient dans un contexte sécuritaire très préoccupant, surtout dans la partie est de la RDC, victime des affres de la guerre imposée par le Rwanda. Dans son adresse, le chef de l'État est plus que confiant et déterminé à restaurer l'autorité de l'État et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, suivant le chef de l'État. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison des nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement. Et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population, avec un budget cumulé sur les 5 ans, représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Au Kwilu, la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale n'est pas passée inaperçue. Le gouverneur intérimaire a organisé une conférence en collaboration avec l'Université de Kikwit sous le thème 64 ans après, quel bilan pour la RDC et quelle perspective d'avenir pour le développement du Kwilu. Reportage. Merci. Le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo n'est pas passé sous silence dans la province du Kwilu. Le gouvernement provincial que dirige le gouverneur intérimaire Félicien Kiwai Mwadi a organisé à Kikwit une journée de réflexion liée à l'indépendance de la RDC en collaboration avec l'Université de Kikwit. Cette rencontre, première du genre dans cette partie du pays, a rassemblé la crème intellectuelle de la province. Les participants ont poussé des réflexions autour du thème 64 ans de l'indépendance, quel bilan dressé à la gouvernance de la RDC et quelles sont les perspectives d'avenir pour le développement de la province du Kwilu. Dans la partie expositive, des interventions ont eu lieu, notamment celle du professeur Joachim Koumarer et du professeur De Gaulle Mayumbu, qui du reste ont été salués par les participants pour leur pertinence. À l'issue de cette activité, le gouverneur des provinces s'est exprimé en ces termes. Nous avons organisé une conférence à travers l'université de Kikwit sur les 60 ans après l'indépendance. Et voilà des grands intervenants, des grands professeurs ont parlé. Nous en avons profité.
profiter pour tirer profit de comment gérer après l'indépendance. Voilà, c'est autour de ça que nous avons partagé avec la crème de Kikwit. Notez que tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. 30 juin a été également célébré en Ituri et ce grâce à l'alchimie observée dans quelques coins de la province. Le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays à la souveraineté nationale et internationale en Ituri a été marqué par plusieurs activités. Deux lieux de réjouissance ont été inondés de monde pour célébrer cette journée festive. Ceci grâce aux conditions favorables de sécurité mises en place par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Lubuyanka Chomadjoun. Par contre, certaines églises ont organisé des cultes de prière pour implorer la miséricorde du Seigneur pour le retour de la sécurité, non seulement en Ituri, mais également sur l'ensemble du pays. C'est le cas de l'association des églises de réveil du Congo, section de l'Ituri. Vous avez vu dans notre exposé des motifs, c'est pour que le Seigneur fasse revenir la paix et la sécurité dans notre province. C'est une condition primordiale pour le développement. S'il y a le crépitement des balles, s'il y a des désordres par-ci par-là, il n'y a pas de développement. Aussi à la paix, les gens vont vaquer librement leurs occupations. Vous voyez que le développement va être au rendez-vous. L'indépendance de la RDC doit interpeller certains fils égarés de l'Ituri à s'aligner dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de pacifier cette partie du pays, car l'ennemi commun du peuple congolais demeure le Rwanda à travers son allié, les mouvements terroristes, le M23, qu'il faut barrer la route à tout prix. La fête nationale de la RDC a été aussi marquée par une journée de réflexion organisée par le professeur Koutoumissa suivant. Avant l'indépendance, je pourrais dire que c'était le jour et maintenant c'est la nuit. Eh bien, nous devons inverser les choses. Nous devons inverser les choses. Il faut que les vertus qui prévalaient à cette époque-là puissent être mise en chantier pour que la situation qui était celle de cette époque-là puisse venir aujourd'hui. Évidemment, je ne pense pas du tout que le colonisateur doit revenir. Non, il ne doit pas revenir. C'est au Congolais de savoir ce qu'ils doivent faire pour que le pays puisse aller de l'avant. Et moi, je pense que la première des choses, c'est d'une part le combat contre la corruption et de l'autre le travail agricole. À l'époque, le colonisateur savait circuler. Nous voyons des petites véhicules dans nos villages. Des petites véhicules allaient jusque dans tous les villages. Et ces infrastructures, il faut les remettre en chantier. Le courant, dans un pays comme ici, quand vous allez sur la nationale numéro 1, bon, ça tient encore un peu. Toutes les rivières descendent du nord au sud pour aller chercher le fleuve. C'était plutôt juste une réflexion du professeur Koutoumissa par rapport à la fête nationale de la République démocratique du Congo. Parlons également du caucus de députés de l'Ituri qui s'est dit inquiet de la séquestration depuis le mois de mai 2024 de l'opérateur économique de cette province, à savoir M. James Kenda Oudou, en violation de la Constitution, et ses élus du peuple font recours à l'arbitrage du chef de l'État pour une solution idoine. David Moubenga nous en dit long. Nous dénonçons la séquestration de notre frère notable de la province et opérateur économique de l'espace Grand Oriental, à l'occurrence M. Kenda Oudou James. C'est depuis le 27 mai
2024 que le sismation a été arrêté à sa résidence pour une raison non encore élucidée à ce jour et continue à être séquestré dans un lieu inconnu à violation flagrante des articles 18 et 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Étant donné que cette procédure viole les droits les plus élémentaires garantis à tout citoyen par la dite Constitution, sans oublier sa présentation devant son juge naturel pour présenter les moyens de sa défense. Nos démarches auprès de diverses autorités n'ayant pas produit des effets escomptés, nous recourons à l'arbitrage du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions et qui prône l'état de droit à la République démocratique du Congo, pour que M. Kenda Oudou James soit présenté devant son juge naturel qui, s'il y a de preuves solides sur les allégations portées à sa charge, au cas contraire, qu'il soit libéré carrément et simplement. Membres de la communauté Tetela vivant en Ituri s'engagent ensemble avec la communauté itourienne à œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique pour que l'Ituri recouvre la paix et la sécurité d'antan. C'était à l'occasion de la célébration du 30 juin, une cérémonie dédiée à Patrice Emery Lumumba, héros national. Les membres de la communauté Tetela vivant en province de l'Ituri s'engagent à conjuguer leurs efforts avec les communautés sœurs de cette province dans la recherche de la paix, restauration de l'autorité de l'État, sécurité et cohabitation pacifique. C'était à l'occasion de la célébration des 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo qu'ils ont dédié au héros national Emery Patrice Lumumba, membre de leur communauté, rapporte Lolengola Guillaume, président de cette communauté en province de l'Ituri. C'est le 64e anniversaire de notre indépendance. Nous avons souhaité être ensemble avec les communautés sœurs et surtout les communautés de la province de l'Ituri qui nous ont accueillis dans cette province qui est devenue une deuxième province pour nous, du centre de nous. Vraiment, nous avons de bonnes impressions et ce n'est que des sentiments de joie que nous avons maintenant. Nous ne devons que nous unir ou accompagner nos frères et sœurs de la tribu et de la province de l'Ituri afin que tous nous puissions revivre la paix d'antan ou encore les soutenir dans les combats pour pouvoir ramener ou recouvrer la paix dans la province de l'Ituri. Célébration faite ensemble avec les autres communautés dont Bira, Hema, Nandé et autres comme signe d'amour et dignité prôné par Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, président de la République, pour bâtir un Congo fort, prospère et uni. L'Ituri traverse un moment troublant d'insécurité dont la conjugaison des forces de tout et chacun, dont des communautés, s'avère indispensable. Autre chose à présent, la Robanque ne se limite pas toujours dans la transaction financière. Elle a élargi ses champs dans les sociales pour le bien-être de la population à Miabi. Nous sommes là au Kasaï oriental. Grâce à cette institution financière, la population a désormais de l'eau potable. Suivant. Faciliter à la population d'avoir de l'eau potable, c'est l'objectif prioritaire qui s'est assigné la Robanque partout en République démocratique du Congo. C'est cette motivation qui a poussé le gérant de la Rawobanque Mbujimayi à se rendre à la cité de Miabi samedi 22 juin 2024 pour procéder à la remise du forage d'eau construit par son agence dans l'enceinte de la communauté presbytérienne. Alpha Mouadi s'est dit satisfait du fait que l'un de ses objectifs soit atteint et a, par la même occasion, lancé un message à la population de Miabi. Nous sommes très heureux en ce jour où nous remettons ces forages à la population des Miabi à titre gratuit. C'est parmi les 6 objectifs primordiaux de la Robanque
à travers sa responsabilité sociétale. Nous lançons un message à toute la population des Miabi de soutenir la banque, la Robanque, la première banque du pays, que toute la population des Miabi vient ouvrir de compte à la Robanque. Il y a des produits adaptés à chaque catégorie de la population. Pour sa part, Albert Kadisha a dit toute sa reconnaissance aux bienfaiteurs et a promis une gestion orthodoxe de l'ouvrage dont la population des Miabi vient de bénéficier. Je trouve que la Robanque a réalisé dans ce territoire. Je ne fais que lui dire merci. La disposition que je dois prendre dès maintenant est de constituer un comité de gestion. C'est sous les applaudissements et les cris de joie de la population que les femmes et filles de Miabi ont bénéficié chacune d'un bidon vide de 20 litres avec mention Rao Bank pour leur permettre d'épuiser de l'eau. Restons toujours dans cette province du Kasaï oriental où les exploitants miniers congolais se plaignent du désordre constaté dans le secteur du diamant, ce désordre étant entretenu par les étrangers qui ne respectent pas la réglementation en la matière, suivant cette déclaration. Le conseil provincial des diamantaires a vraiment constaté que les expatriés et quelques agents de l'État qui jouent la connivence avec eux sont en train d'exploiter les diamants artisanalement. Alors que l'article 35, alinéa 2 de la Constitution, confère les droits aux seuls Congolais d'exercer le petit commerce. C'est pourquoi nous avons résolu de pouvoir demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le magistrat suprême et gardien de l'ordre social dans notre pays, de bien vouloir s'inspirer de la jurisprudence salvatrice du fait Musée Laurent Désiré Kabila, qui avait décidé à son temps de pouvoir ramener tous les expatriés qui œuvrent dans les secteurs d'achat du diamant ici de l'exploitation artisanale, de bien vouloir installer leur bureau d'achat de diamant à Kinshasa, puisque à Kinshasa c'est au Congo. Voilà ce que nous demandons. C'est la seule possibilité devant nous permettre à ce que l'économie congolaise revienne aux Congolais et les expatriés après. Voilà ce que nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous adressons également à la Première ministre de notre pays de bien vouloir s'impliquer dans cette affaire pour que les Congolais jouissent de leurs droits, les reconnus par toutes les lois en rapport avec l'exercice du petit commerce. Voilà. Car c'est un droit exclusif et reconnu à nous, Congolais. Ouais. Pour qui le président de la République avait fait une promesse ferme qu'il avait gérée, qui devait faire de nous des millionnaires parmi les Congolais. En Ituri, les épouses militaires se sont démarquées à travers un geste de cœur. Elles sont allées au chevet de blessés de guerre. Suivant. Des épouses de militaires de l'Ituri, regroupées au sein de l'Association des épouses militaires de la 3e région militaire, AM en sigle, ont procédé à ces jours à la distribution de vivres aux voyants militaires blessés au champ de bataille dans le but de compatir avec eux pendant ces durs moments qu'ils endurent à l'hôpital après avoir rendu de leur service à la nation. Selon Mme Caroline Wissonga, coordonnatrice des épouses militaires de la 3e région militaire, cet acte de charité rentre dans les cadres de la compassion et de la célébration de son 4e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la commémoration des 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous, association des épouses militaires de la 32e région militaire, séjournons pour organiser une série de charités en vue de partager tant soit peu avec nos vaillants militaires devenus blessés de guerre, une guerre injuste qui nous est imposée par les ennemis de la République démocratique du Congo. Comme recommandation, sollicitons à notre commandant suprême le droit de regard et suivi permanent de la santé de nos militaires blessés de guerre et leur insertion dans la vie civile. L'amélioration des conditions de vie militaire
et pour vie militaire, policiers et leurs familles, profond respect. Acte salué par les bénéficiaires et les corps soignants de ces militaires internés au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bougnan. Nous sommes des humains. En recevant les épouses militaires, certains des confort moral et physique aussi. Et le fait qu'on ait pouvoir marcher, c'est un soulagement aussi de l'air aussi. C'est satisfaisant. Rappelons que ces vivres ont été composés de sacs de riz, des haricots, d'huile végétale, du savon, du sel, pour ne citer que cela, en guise d'unité, d'amour et de fraternité, comme stipule la devise de cette association. Une école moderne dans la commune de Dilala, au Lualaba, la cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu sous la direction de Françoise Mangouège, la bourgmestre de cette municipalité. Elle attend répondre à un besoin criant de la population du quartier Biochora afin de pallier à la problématique de la scolarisation des enfants du quartier qui regorge en son sein environ 70 ménages suivants. C'est ici, au quartier Biachora, dans la commune de Dilala à Kolwezi, dans la province d'Ilualaba, qui sera construite une école primaire moderne répondant aux normes internationales. Cette école vient renforcer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la gratuité de l'enseignement de base. La cérémonie de la pose de la première pierre de cette école a été présidée par Françoise Mangouéji, bourgmestre de cette commune. Cette école vient ainsi répondre à un besoin criant. Les élèves de ces quartiers parcouraient jusqu'à des kilomètres pour atteindre leurs écoles. Au total, 6 classes et des bureaux, ainsi que des latrines, sont attendus d'ici la rentrée des classes prochaines. Mes collaborateurs que j'ai envoyés ici m'ont rapporté vos besoins les plus urgents. Et le premier qui a retenu mon attention m'a poussé à agir vite. C'est la construction d'une école. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu lancer les travaux de la construction de cette école qui est moderne. L'ingénieur de l'entreprise qui exécute les travaux revient sur la nature et la durée des travaux. Comme nous tendons vers les élections, on fera moins de 90 jours. Ça sera autour de 60 jours. C'est tout sur l'école primaire. 6 salles de classe, bureau administratif et le bloc sanitaire. Il faut dire que cette école moderne en construction dans ces quartiers Biachora est la première depuis la création de ces quartiers. Et c'est grâce à l'implication personnelle de l'autorité municipale, Françoise Mangouéji, ce qui réjouit les habitants du quartier Biachora en liesse. Et dans les soucis de promouvoir les droits de personnes vulnérables en prônant leur intégration socio-professionnelle, l'association sans but lucratif dénommée Réseau Babel International en collaboration avec Touli Group que dirige Mme Fatouma Tabouli Niané et la communauté malienne ont choisi les personnes vivant avec handicap comme leur hôte de marque et c'est au cours d'une cérémonie présidée par la ministre des Affaires sociales. Alors, suivant cet élément des reportages. Les personnes vivant avec handicap à l'honneur, elles ont commémoré l'indépendance de la RDC de leur manière. C'est grâce à l'association sans but lucratif Réseau Babel International RBI, en collaboration avec tous les groupes de Fatoumata Batoulimian, ainsi que de toute la communauté malienne vivant en République démocratique du Congo, la cérémonie a été présidée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Au sortir de cette activité, la ministre a salué les efforts fournis par la présidente du groupe Toulise pour sa détermination d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'elle continue, c'est un modèle, c'est une référence aujourd'hui. Je ne sais pas si on a fait ça avant, mais moi je pense que c'est la première femme africaine qui vient de faire quelque chose utile par rapport aux personnes qui vivent avec handicap. Et je ne peux que la remercier qu'elle continue. Présent, j'ai fait sa part. Déterminée à redonner l'espoir à cette catégorie de personnes marginalisées, Herbert Sidiyea, chargé des affaires extérieures et des lobbyings de tous les groupes, s'est exprimé. Leur offre effectivement 10 tricycles pour leur permettre d'améliorer leur mobilité d'une part, mais aussi leur permettre d'être autosuffisants. Parce qu'avec ces tricycles-là que vous voyez, les bénéficiaires peuvent faire de la livraison par exemple. Au nom du gouvernement congolais, la ministre des Affaires sociales
a procédé à la remise de 10 tricycles dont la présidente de Toulis Group Fatoumata, Batoulis Niane. Flatté par cette dotation, le bénéficiaire n'a pas tari d'éloge à l'endroit du bienfaiteur. La cérémonie s'est clôturée par un repas de cœur ainsi que par le pas de danse. L'Assemblée provinciale du Sankourou a procédé à la clôture de la session du mois de mars 2024, suivant cet élément de reportage. La cérémonie solennelle a eu lieu dans la salle de plénière en présence du gouverneur de province Haï, Patrick Bekangasala, et l'entabilité locale. Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Lambert Makondo, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salite dans la restauration de la paix et l'unité nationale, gage de tout développement. La clôture de cette session intervient dans un contexte difficile où notre pays est en guerre dans sa partie orientale. Certains villages sont sous le feu et l'occupation des forces négatives étrangères. Nous compatissons avec nos pères victimes de cette guerre injuste et félicitons notre chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix dans cette zone. Il a ensuite résumé les activités réalisées au cours de cette session qui vient de se clôturer avant d'appeler les élus du peuple sankourois à l'unité pour le développement intégral de la province. Il est donc de notre devoir, en tant qu'élu profession, d'être solidaire pour protéger notre population et répondre avec compassion à la tragédie de misère qui n'a que trop duré conformément au pouvoir renouvelé par la loi. Le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou a, au nom de tous les élus, souhaité une bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais qui gardent encore ces grands souvenirs laissés par... Vers le Sud-Ubangi, où le gouverneur sortant est arrivé à Guémena, c'était le samedi dernier, accompagné de son vice-gouverneur, un accueil chaleureux lui a été réservé suivant. Plein à craquer, l'aéroport de Guémena a été pris d'assaut ce samedi par la population de cette ville et celle venue de quatre territoires et de la ville de Zongo. Hommes, femmes, jeunes et vieux, notables, chefs coutumiers, membres des partis politiques de l'Union Sacrée pour la Nation et associations qui sont allés réserver un accueil très chaleureux à son Excellence Mobonga Lobomiché, gouverneur de la province de Chivangi, récemment élu, investi par ordonnance présidentielle et notifié par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. À sa descente d'avion, accompagné de sa chère épouse et du vice-gouverneur de province, son Excellence le professeur Galekwa, le nouveau chef de l'exécutif provincial du Chibangui, fleuri par deux mignons, a été accueilli par les membres du gouvernement provincial sortant et ceux du comité provincial de sécurité avant de saluer les chefs coutumiers, les honorables députés provinciaux, les officiers des FRDC et de la PNC et tous ceux qui étaient rangés par le protocole d'État. De l'aéroport où il était immergé dans une foule immense et en liesse, le gouvernement Mobonga Lobomiché, à bord de sa jeep décapotée, et tout le cortège s'est ébranlé vers l'esplanade du gouvernorat où il s'est adressé à la foule pour des remerciements et pour redonner de l'espoir à la population et où il a lu l'ordonnance d'investiture. Le premier est investi gouverneur de la province de Sud-Ubangi, M. Mobonga Lobomiché. Article 2. Vice-gouverneur de la province de Sud-Ubangi, M. Galekwa Fundawe Jarene. Parlons de partis politiques à présent avec l'Alliance de démocrates chrétiens du Congo qui totalise 7 ans de son existence. Cette 7e bougie est placée sous les signes de la méditation en communion avec nos compatriotes de l'Est du pays, victimes des affres de la guerre. Son autorité morale, l'honorable Adèle Kayinda, qui prône le valeur cardinale, réitère son accompagnement au chef de l'État, Angèle Mabiala.
1er juillet 2017, 1er juillet 2024, 7 ans se sont écoulés depuis la création de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, parti cher à l'honorable Adel Kaïnda Maïna, pour répondre aux nombreux défis et apporter un plus dans la gestion de la Respublica. Pour l'autorité morale de ces grands partis d'obédience chrétienne qui fait du chemin, sa vision calquée sur le modèle d'une gestion orthodoxe du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ALDEC, sous le leadership éclairé de la princesse Adel Kaïnda Maïna, s'engage à valoriser les fruits de l'esprit tel que c'est écrit dans Galates 5:22 pour un Congo plus compétitif. Notre cher parti, créé à l'initiative de notre autorité morale, princesse Adel Kaïnda, servante de Dieu, avec pour mission de apporter des valeurs chrétiennes positives dans le fonctionnement des institutions politiques en République démocratique du Congo. Au-delà de condamnation de la déstabilisation des institutions de la République par les forces du mal, le secrétaire général Touaremba appelle les membres au sursaut patriotique. Les 7 ans de notre existence doivent être célébrés dans la méditation à cause de la situation de guerre à l'est de notre pays. ALDEC réitère sa confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 7 ans, c'est l'âge de la maturité et de la perfection. Selon les Saintes Écritures, la princesse Adel Kaïnda Maïna reste déterminée à accompagner le chef de l'État qu'elle qualifie de Josué de la RDC dans sa vision de la refondation d'un État des droits et de la conquête de l'intégrité territoriale. Et nous allons boucler ce journal avec l'église Plein Évangile de Kitambo qui a organisé le samedi dernier une instance de prière d'intercession et d'action de grâce pour la nation congolaise tout entière et pour la partie Est en particulier. L'orateur avait tiré son thème dans le livre de 2 Chroniques 7 à 14 tout en exhortant les fidèles à prier sans cesse pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Reportage. C'est avec détermination et la foi que les fidèles et membres de la communauté des églises Plein Évangile située dans la commune de Kitambo ont organisé un culte d'intercession et d'action de grâce à la nation et en mémoire des victimes de l'agression rwandaise avec son supplétif du 1-23 dans la partie est de la RDC. Selon l'orateur du jour qui a penché sa prédication dans le livre de 2 Chroniques 7 à 14 qui dit « Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Nous tenons en compte le fait que le président de la République, dès son accession au pouvoir, il avait confié le trône de ce pays à l'éternel Dieu, à Jésus-Christ. Donc, il a fait sa part. Alors, nous le tenons au mot, nous portons le pays qui lui est déjà consacré. Nous voulons que maintenant Dieu gouverne ce pays comme il est l'éternel Dieu des armées, qu'il arrête la guerre à l'est du pays et sur toute l'étendue de notre pays. Un moment intense de prière, de louanges et d'adoration étaient aussi au rendez-vous pour rendre gloire à Dieu à cette occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une mention spéciale faite au chef de l'État qui fait de la sécurité nationale son cheval de bataille. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la nationale. Je serai relayée sur ce plateau à 13h30 par Louisette Sakala pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir.